Bonsoir Monsieur Caselli, le thème de votre conférence était la métropole pour construire l'avenir. Mais quel avenir vous donnez à ce projet compte tenu des relations traditionnellement conflictuelles entre Marseille et la ville d'Aix-en-Provence, étant donné le débat actuel et le refus de la ville d'Aix-en-Provence face à ce projet? Je crois que c'est d'abord le refus du maire. Je ne pense pas que les populations aient été consultées, mais je crois qu'il faut dépasser ce type de problématique. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment de l'histoire où l'économie est mondialisée. Et la France a besoin d'espaces métropolitains européens qui ont un projet commun. Et ce projet commun peut être fait qu'à l'échelle d'un territoire beaucoup plus large aujourd'hui que celui d'Aix et que celui de Marseille. Il doit être sur l'ensemble du bassin de vie, où les gens, dans la journée, se déplacent pour travailler, pour étudier. Vous en êtes l'exemple même pour se soigner, pour consommer et pour se cultiver. C'est cet espace de vie-là qu'il faut fédérer autour d'un grand projet commun, autour des deux grands ports Marseille-Fos, qui forment une seule entité en fait, et qui nous permettent de peser dans la compétition internationale, parce que nous sommes aujourd'hui dans la compétition des territoires. Et si on oublie ce qui se passe aujourd'hui, si on continue à penser petit, c'est-à-dire son territoire et uniquement son territoire, je crois qu'on ratera un grand rendez-vous de l'histoire et notre territoire déclinera dans les années qui viennent. Il faut absolument se projeter vers l'avenir, fédérer l'ensemble des intercommunalités autour d'un projet commun pour créer plus d'emplois et pour créer plus de richesses, créer ce différentiel de croissance qui va nous permettre véritablement d'avoir un territoire qui est un territoire d'avenir et qui est un territoire d'envergure euro-méditerranéenne, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, je sais que vous participez à un défi, le défi Express. Alors, je voulais aujourd'hui vous dire que je suis de tout cœur avec vous pour que vous gagniez ce défi Express. Merci.